أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime, à la partager et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore comme d'habitude. Donc sans m'acharner sur les Shia, car je pense que c'est peut-être la dernière vidéo que je vais faire sur les Shia et leur lien ambigu avec les événements futurs et actuels, parce que je pense que j'en ai assez dit, que c'est largement suffisant, et comprendra celui qui voudra comprendre, et s'entêtera celui qui veut s'entêter. Donc, comment voulez-vous que un groupe, d'accord, qui se considère être un groupe parmi les musulmans, alors que je considère que dans la masse des chiites, bien sûr qu'il y a des musulmans, mais là on parle d'une élite qui connaît la différence entre le dogme du rafidisme et le dogme de Ahl Sunna, qui ont lu et qui ont eu donc l'argumentaire qui leur a été apposé. Mais certains réfutent la vérité par hautaineté, par orgueil, par nationalisme, à cause de différentes raisons, par haine, par vengeance, ainsi de suite. Comment voulez-vous qu'un tel groupe puisse venir aider les musulmans en Palestine alors qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de lieu saint en Palestine? Pour eux, la question de la mosquée Al-Aqsa est très importante pour les musulmans. C'est une question essentielle dans la question palestinienne, d'accord, parce que des musulmans qui se font coloniser, des musulmans qui souffrent dans le monde, il y en a de partout dans la terre, et il y a eu plusieurs fois des événements comme ça où des musulmans se sont fait coloniser, où ils ont subi des exactions et ainsi de suite. Mais la particularité de la Palestine, c'est qu'il y a la mosquée Al-Aqsa citée dans le Coran. Mais une grande partie des chiites, en tout cas la base, la version officielle du rafidisme, considère que la mosquée Al-Aqsa ne se trouve pas à Jérusalem, mais se trouve dans le ciel, au quatrième ciel, d'accord. Et ça me fait penser aussi à ce que j'ai entendu chez certains du judaïsme, même si sincèrement je ne me rappelle plus où c'est que j'ai écouté cette version-là, qui disait que le temple était dans le ciel et qu'il devait justement, qu'il allait descendre du ciel. Vous me confirmerez ceci si vous avez vous les preuves ou des textes liés à ceci. Donc quoi attendre de personnes qui considèrent qu'il n'y a aucune mosquée sainte à Jérusalem, d'accord. La seule chose, donc, s'ils se rendent en Palestine et qu'ils arrivent à négocier puis à voir la Palestine, c'est sûr et certain que Jérusalem, ils n'iront pas se casser la tête concernant une mosquée qu'ils ne reconnaissent pas comme étant une mosquée sainte. Par contre, le temple de Salomon, ils reconnaîtront ce temple comme quelque chose de saint. Et donc, ils permettront sa construction, ce troisième temple, aux Juifs. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça correspond, en fait, on est sur la même lignée de ce qu'on dit depuis le début. Et on n'a pas tout dit. Mais je pense que c'est très important. Et c'est à vous, ben, à ceux qui le veulent d'ailleurs, qui veulent comprendre, de faire ce lien. On va écouter deux vidéos concernant ceci. Bismillah. من جملة الروايات المروية عندنا وتفيد أن الذي
وقع يعني في يوم الإسراء أو في ليلة الإسراء والمعراج الذي أسري إليه النبي صلى الله عليه وآله، وذكر في القرآن الحكيم بعنوان المسجد الأقصى، هو ليس مسجدا دنيويا. Donc il dit, ce qu'on a dans nos versions indique que ce qui s'est passé avec le prophète lorsqu'il a fait l'Isra, donc il s'est déplacé d'une mosquée vers une autre, mais dans le Masjid al-Haram, donc la mosquée du Haram, la Mecque, il a le Masjid al-Aqsa, donc la mosquée de l'Aqsa, qui se trouve donc à Jérusalem, c'est un périmètre, on pourra en parler, qui est un périmètre saint qui comprend actuellement plusieurs mosquées, dont la mosquée Al-Qibli, donc de la Qibla, qui a été construit au début par Ibn Khattab, de bois, ainsi de suite. Ça a été reconstruit par la suite ça a été reconstruit en pierre par des Omeyyades, et la mosquée construite par les Omeyyades aussi, du rocher qu'on appelle Masjid As-Sakhr. Et vous avez aussi d'autres mosquées contenant des coupoles avec des portes. Donc ça, c'est le périmètre. Tout ça, c'est Masjid al-Aqsa. Et c'est là où il y avait, à l'époque, bien sûr, Al-Masjid, la mosquée de Sulayman, qui est pour les Juifs, bien sûr, leur temple. D'accord? Et dans le Coran, Allah Azzawajal, dans Sourate al-Isra, pour être sûr de savoir de quoi on parle, Allah dans le Coran parle de Al-Masjid. D'accord? Et Dieu ordonne à Maryam de s'incliner avec ceux qui s'inclinent, d'accord, dans le temple, d'accord. Et donc on comprend bien que Al-Masjid, c'est l'endroit où à l'époque il y avait ce temple. C'est appelé Masjid parce que c'est là où on est censé se prosterner devant Allah Azzawajal. Donc le nom est resté d'Al-Masjid. Donc Al-Masjid, c'est un terme qui comprend le temple de l'époque et la mosquée actuelle. N'importe quelle mosquée qui est construite dans le périmètre, d'accord? Donc faut que ça soit, j'espère que ça soit bien clair. Donc lui il dit que la mosquée Al-Aqsa où le prophète donc s'est déplacé de Masjid Al-Haram vers Masjid Al-Aqsa, c'est pas une mosquée terrestre, mais c'est une mosquée céleste. وإنما هو المسجد الذي في السماء الرابعة Voilà, dans le quatrième siècle, quatrième واعتقاده ciel, excusez-moi. كرة عند أهل البيت صلوات الله عليه Voilà, c'est ce qu'ils trouvent dans leur version de Ahl al-Bayt. D'accord? Ahl al-Bayt. وهذا أقرب في واقع الحال. يعني إحنا نقرأ مثلا في الرواية أن الإمام الباقر عليه السلام لما كان في الحج أو في العمرة أنا لا أتذكر، فكان هناك واقفا فقرأ هذه الآية، قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الراوي يقول أشر هكذا من المسجد الحرام، هو الآن في المسجد الحرام، كان أشر هكذا قال إلى المسجد الأقصى. Donc voilà, il sort une version de Baqir où il dit qu'il désignait, il a cité le verset que le prophète a fait Al-Isra, alors qu'Al-Isra, en fait, il faut bien comprendre que l'Isra, c'est pas tu montes, Al-Mi'raj, c'est quand tu montes. Donc ça prouve déjà leur méconnaissance de langue arabe. Al-Mi'raj, c'est quand tu montes, et l'Isra, c'est quand tu te déplaces comme ça, d'une ville vers une autre. D'accord? C'est pour ça qu'on connaît le hadith. Où, quand le prophète a dit qu'il a fait l'Isra, les Quraysh ont demandé, ils lui ont dit, décris-nous la mosquée. D'accord? Et le prophète s'est mis à décrire. D'accord? Donc, faut bien comprendre que Al-Isra, d'accord? Que lui, il dit que donc Baqir a désigné Masjid al-Haram, la Kaaba, et il a désigné ensuite Masjid al-Aqsa vers le haut. D'accord? Alors qu'on sait qu'au-dessus de la Kaaba, d'accord, il y a Bayt al-Ma'mour, d'accord, la maison qui est visitée par les anges, une maison céleste, mais c'est pas la mosquée Al-Aqsa, d'accord, parce que la mosquée, le Masjid Al-Aqsa, dont Allah a béni les alentours, c'est Jérusalem et aussi les alentours, le Shem. Le Shem, c'est une terre bénite, d'accord, et il y a des hadiths du prophète sallam où vous êtes récompensé, je crois, de l'équivalence, si je me trompe pas, si je me rappelle bien, de 50 salats, si vous priez à Al-Quds, à Jérusalem, dans une des mosquées saintes de Jérusalem.
زين، يعني أراد أن يشير ويومئ للناس بأن المسجد الأقصى خلاف ما تتوهمون ليس المسجد الأقصى الذي هو في القدس. Voilà, c'est pas la mosquée Al-Aqsa qui est dans le Quds. Donc ça veut dire qu'actuellement, dans la tête de la majorité des chiites, parce que j'ai écouté un chiite, mais lui, de toute façon, il a plusieurs avis, ou en vérité, parce qu'il y a des quelques modérés, c'est une réalité, et qu'Allah Azzawajal fait qu'il y en a de plus en plus. Mais la majorité, l'avis majoritaire, c'est qu'Al-Aqsa ne se trouve pas à Jérusalem. Donc comment voulez-vous qu'il prenne cette cause comme une cause essentielle, sachant qu'ils ne considèrent pas qu'il y a un lieu saint là-bas. D'accord? Il n'y a pas de mosquée Al-Aqsa pour eux. D'accord? Donc le verset ne s'applique pas. Donc le verset que les musulmans utilisent pour considérer Al-Aqsa comme une mosquée sainte, eux, voilà, eux, donc demain, ça ne leur pose pas de problème de détruire Al-Aqsa. Ils vont vous dire pourquoi? Parce que non, ils vont vous dire Al-Aqsa ne se trouve pas à Jérusalem. D'accord? Donc ils pourront détruire pour la construction du troisième temple. Et j'ai peur que ceci se déroule, Allah al-Musta'an. Alors là, on va voir encore un autre enturbané chiite qui, encore une fois, se sert, soi-disant, de part de Ahl al-Bayt. Vous voyez, fi riwayat Ahl al-Bayt, dans les versions de Ahl al-Bayt, an al-masjid al-Aqsa fi sama, que la mosquée al-Aqsa se trouve où? Dans le ciel. Exactement, quatrième, comme a dit le chir juste avant. Voilà, donc le Masjid al-Aqsa qui se trouve à Jérusalem, il en a parlé en fait dans un autre épisode que j'ai pas vu. C'est une invention de qui? De Omar ibn al-Khattab, qui déteste viscéralement, et de qui? De Ka'b al-Ahbar, parce que Omar ibn al-Khattab était accompagné d'Arabes convertis, mais Omar ibn al-Khattab le connaissait bien. Et Omar al-Khattab, de son, il a des connaissances hein, très très poussées, très perspicaces, ainsi de suite. Et je vous ai raconté déjà ce qui s'est passé, je peux vous en parler rapidement. Quand il est parti Omar al-Khattab, il y avait le rocher qui représente la Qibla des Juifs, était rempli de détritus, parce que les chrétiens jetaient des détritus là-bas, parce qu'ils considéraient qu'ils ne respectaient pas en fait les Juifs à cette époque, parce qu'ils disaient ceux qui avaient tué Jésus, Isa alayhi salam. Donc il a nettoyé ça avec son bras, Omar ibn al-Khattab, et ensuite Ka'b al-Ahbar a demandé à Omar de construire une mosquée vers en face du rocher. Et Omar a refusé en disant, est-ce que la... je crois que vous trouvez ça dans le Bidawi Nihaya, si je ne me trompe pas, il lui a dit, est-ce que l'Yahoudia, elle t'est pas montée à la tête, ne sais-tu pas que ce rocher est la Qibla des Juifs? Donc je ne vais pas construire la mosquée ici. Mais il l'a construit juste en bas, où il y a ce qu'on appelle Al-Aqsa, cette mosquée qu'on appelle Al-Aqsa, mais en fait qui s'appelle Masjid Al-Qibli, la mosquée de la Qibla, d'accord, qui a été construite au début par Omar, faite de bois, ainsi de suite, qui a été reconstruite de pierre par la suite par un des califes Omeyyades. Voilà, laisse-nous construire sur Azbala. Regardez comme il dit de manière un peu comme ça, ironique et irrespectueuse, viens on construit sur Azbala, sur les ordures. Parce qu'il y avait des ordures à cet endroit-là. Et ça a été nettoyé par qui? Par les musulmans. Par qui? Par les musulmans, entre guillemets, j'en passe ce mot-là, mais entre guillemets, par des musulmans, nawasib. C'est ainsi, c'est comme ça que désignent en fait les chiites. Les sunnas les considèrent al-nawasib, qui ont en fait un statut un peu comme les juifs et les chrétiens chez les musulmans, d'accord, dans le cadre d'un état religieux, d'accord. Donc il raconte la divergence qu'il y a entre Ka'b al-Ahbar et Omar ibn al-Khattab. On construit la mosquée ici ou ici. Je vous ai raconté qu'Omar al-Khattab avait décidé de ne pas la construire à l'endroit où voulait Ka'b al-Ahbar. D'accord. Donc Omar était déjà très éveillé concernant ce rabbin converti. قضية إنه المسجد الأقصى وهذه الآية المعروفة والمشهورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. بعدين اجى هذا الفهم مال Voilà, donc c'est une compréhension qui est venue par la suite, d'accord, en disant que ce verset s'applique à la mosquée Al-Aqsa qui est à Jérusalem. Donc pourquoi le prophète n'aurait pas compris ça? Pourquoi les Ahl Bayt n'auraient pas compris ça? Alors qu'il y a des hadiths, il y a des hadiths où le prophète sallam parle de le fait de visiter la mosquée Al-Aqsa, où vous avez des récompenses. Il y a des hadiths sur la mosquée Al-Aqsa, d'accord. Il y a des hadiths du prophète alayhi wasallam dans la sunna concernant Al-Masjid Al-Aqsa qui se trouvait à Jérusalem, d'accord. Mais les mosquées, le Masjid Al-Aqsa est un périmètre où aujourd'hui vous avez la mosquée du rocher, d'accord, qui couvre ce rocher qui est censé être à la base la qibla des juifs. Je ne sais pas exactement, je sais que c'est en lien avec la Torah, mais je n'ai pas fait vraiment de recherche poussée. Et ensuite, juste en bas, vous avez la mosquée d'Al-Qibla, qui est aussi désignée comme étant la mosquée d'Al-Aqsa. Et puis, je crois qu'il y avait à l'époque aussi d'autres petites mosquées. Et il y a des portes, un peu comme vous avez dans la mosquée d'Al-Haram à la Mecque. Voilà. Donc, je pense que c'est une information qu'il faut mettre de côté, qui est importante pour comprendre un peu, parce que quand vous comprenez, chaque fois je dis, quand vous comprenez le dogme, vous comprenez les actions et comment vont réagir les personnes qui adhèrent à ce dogme. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, j'aime un partage et n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires. Donc je ne veux pas toujours, je ne veux pas que ce soit perçu comme un acharnement, mais le but c'est juste de dire des choses factuelles, des vérités, d'accord. On n'est pas en train de mentir, on dit que des choses qui sortent de leur bouche. Salam à tous.